Le nom de l'Éternel soit loué. Amen. Nous allons lire un passage dans Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, le verset 1 à 7. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez rien, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Les amis et les ennemis du christianisme, eh bien, sont d'accord pour dire que la résurrection est le point crucial, le point du départ du christianisme. Il n'y a pas de christianisme sans résurrection de Jésus-Christ. C'est un point historique et un point objectif qui permet, eh bien, aux idées de s'enraciner autour de cette personne qu'est Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas convaincre ceux qui ont opté de ne pas croire. Car en fait, le principe de l'acceptation ou du rejet de la résurrection est le principe de l'acceptation ou du rejet du surnaturel. Pour les uns, eh bien, Dieu est une idée, un principe moral. Pour les autres, comme les déistes, il est simplement imminent, mais il n'est pas transcendant. La nécessité de la résurrection. Si Christ est ressuscité, comme nous l'avons dit, nous avons une référence historique. Nous avons une référence spirituelle. Nous avons une référence religieuse. Un point d'appui sérieux à partir duquel nous trouvons les réponses aux questions pertinentes de l'humanité ou que l'humanité se pose. Notamment, d'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous là? Et surtout, où allons-nous partir après avoir quitté cette terre? Sommes-nous un accident du parcours? Et si nous sommes un accident, qu'arrivera-t-il? Mais si Christ est ressuscité, Christ devient la réponse à tous ces questionnements et nous savons où nous allons quand nous allons quitter cette terre parce que nous irons avec le ressuscité. Et là où il est, là nous serons. Et nous savons qu'il n'est pas en enfer. Au contraire, il est au ciel, assis à la droite du Père, nous attendant, afin qu'ensemble, nous puissions célébrer les noces de l'agneau et que nous puissions entrer pleinement, eh bien, dans nos attributions et dans nos récompenses que Dieu a préparées d'avance pour chacun de nous. Si nous acceptons la résurrection de Christ, alors l'univers a un sens et un but, et c'est possible de faire l'expérience du Dieu vivant dans la vie contemporaine. On n'a pas besoin de mourir pour rencontrer Dieu. On peut rencontrer Dieu maintenant, ici et maintenant, et faire l'expérience. Parce qu'en ce moment, non seulement l'univers, mais notre vie aura un sens. Si Christ n'est pas ressuscité, ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 12 à 19, il dit, si Christ n'est pas ressuscité, alors le christianisme est un bel objet dans un musée. Quand vous allez dans un musée, ce ne sont pas des choses actuelles qu'on expose là-bas. C'est le passé. Il y a des gens qui appartiennent à des musées. Comme il y a des objets qui appartiennent à des musées. Mais ce sont des gens du passé et ce sont des choses dépassées. Alors le christianisme n'est pas dépassé.
n'est pas un phénomène du passé, c'est un phénomène présent parce que Christ est ressuscité. Alors Paul dit, s'il n'est pas ressuscité, la prédication est vaine. La foi des Corinthiens, voire la nôtre, est vaine. Les apôtres sont de faux témoins. Les Corinthiens sont encore dans leur péché. Ceux qui sont endormis en Christ ont péri pour rien. Les chrétiens sont les plus malheureux du monde si Christ n'est pas ressuscité. C'est pourquoi les premiers disciples ou les apôtres ont fait de la résurrection de Jésus-Christ la pierre angulaire de leur prédication. La pierre angulaire de leur prédication est l'objet principal de leur foi. Nous revoyons la même préoccupation dans les épîtres, que ce soit Romains, que ce soit Galates, que ce soit Éphésiens, etc. Alors, il y a eu des arguments contre la résurrection. Un certain Frank Morrison, un avocat britannique des années 1930, avait décidé de prouver une fois pour toutes que cette histoire de la résurrection n'était qu'une légende. Alors, il voulut gratifier l'humanité de pièces à conviction contre la résurrection. Établir juridiquement, eh bien, des preuves que Jésus n'a jamais ressuscité et que la résurrection n'a jamais eu lieu. Alors, au fur et à mesure qu'il avançait dans ses recherches, il a été convaincu du contraire. Donc, il a écrit un premier livre dont le titre est « Un livre qui ne peut pas s'écrire ». Parce qu'il ne pouvait pas prouver le contraire. Plus il cherchait, plus il avait des preuves que la résurrection a bel et bien eu lieu. Alors, il a été honnête, intellectuellement honnête, face à cette découverte. Il a été convaincu contre lui-même que la résurrection était un fait réel. C'est pourquoi il a publié un deuxième livre en anglais, Who Moved the Stone? Ça veut dire, qui a déplacé la pierre? Qui a déplacé la pierre? Eh bien, à partir de là, eh bien, il nous donne les conclusions. Il nous donne les conclusions de ses recherches. Il dit d'abord le tombeau vide, parce qu'il y a deux choses. Il y a, dans la résurrection, il y a deux choses. Il y a le tombeau vide et il y a le Christ qui a apparu à des gens. Le Christ physique. Le tombeau vide. La première explication qui a été répandue était que les disciples sont venus enlever le corps pendant que les gardes dormaient. Alors, il dit, quel juge vous défendrait si vous dites que pendant que vous dormiez, votre voisin est venu prendre votre télévision. Il n'y a pas ce juge-là qui va vous défendre. Donc, c'est un argument faux. C'est un argument qui n'est pas valable. Qui sait ce qui se passe quand on dort? On dit que les disciples sont venus l'enlever et pendant ce temps, les gardes dormaient. D'abord, ils ne devaient pas dormir. Et puis, pendant leur sommeil, eh bien, à moins que ça ne soit un rêve, et ce n'est pas possible. Donc, juridiquement parlant, cet argument ne tient pas. En plus, c'est contre les principes psychologiques juifs. Chaque disciple était passible de la peine de mort pour leur déclaration. Nul n'est prêt à mourir pour un mensonge, mais on est plutôt prêt à mourir pour la vérité. Si les disciples avaient enlevé le corps, durant la menace de mort, en tout cas, Jacques a été tué, ils auraient dit la vérité et rendu le corps aux autorités. Donc, ça ne tient pas. Deuxième argument, eh bien, est que les autorités juives ou romaines ont déplacé le corps. La question est de savoir pourquoi ils ont déplacé le corps. Après avoir assuré la surveillance, pourquoi changer de place? Une réponse beaucoup plus convaincante est le silence même des autorités devant les déclarations téméraire des disciples sur la résurrection à Jérusalem. Les responsables ecclésiastiques fumaient de rage et ils mettaient tout en œuvre pour arrêter la propagation de cette histoire. Pierre et Jean furent arrêtés.
la solution aurait été simple. Exhiber le corps et l'exposer dans les rues de Jérusalem. C'était plus simple que d'arrêter les disciples. C'était simplement, vous avez changé de... On est venu changer le corps de place. Vous savez où on l'a déposé. Allez le chercher et puis vous exposez le corps. C'est aussi simple que ça. En tout cas, juridiquement, c'est ce que Frank Morrison dit. Il dit que pour un juge, vous ne pouvez pas dire on a changé le corps de place et vous ne pouvez pas livrer ce corps-là. Ça ne tient pas debout. Troisième argument, on dit que les femmes aveuglées par l'amertume se sont trompées de tombe et dans leur détresse, elles sont tombées devant une fausse tombe. Et on pensait que une fausse tombe qui était vide et j'en pensais que c'était le tombeau de Jésus. Mais si les femmes n'ont pas été à la bonne tombe, pourquoi est-ce que le souverain sacrificateur et les autres ennemis de la foi n'ont-ils pas été à la bonne tombe? Si les autres se sont trompés, pourquoi vous, qui connaissez la vérité, vous n'avez pas été à la bonne tombe? Et Pierre et Jean, pouvaient-ils se tromper? Non. En plus, c'était un cimetière privé appartenant à Joseph d'Arimathée. Non seulement il n'y avait pas plusieurs tombes, mais aussi en cas d'erreur, Joseph lui-même serait revenu et aurait indiqué la vraie tombe. Donc, tous ces arguments ne tiennent pas debout. La troisième théorie, c'est ce qu'on a appelé la théorie par moisson, qui dit que Christ n'était pas réellement mort. Par conséquent, l'air frais de la tombe et les épices l'auraient ranimé. Donc, vous êtes enfermé, enfin, vous êtes enterré, pas enfermé. Vous êtes enterré, on met une pierre et à l'intérieur, l'air frais vous ranime et vous vous levez et vous êtes capable de repousser la pierre pour sortir. C'est une théorie qui date du 18e siècle. Était-il possible que Jésus, faible qu'il était, côté percé, ayant perdu trop de sang, puisse repousser la pierre tombale à lui seul et sortir? Non. Juridiquement, ça ne tient pas. Si cette théorie était vraie, Christ lui-même serait un menteur. Le tombeau est vide parce que Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Alors, il y avait le tombeau vide et puis il y avait les apparitions de Christ. Quand il est ressuscité, il est apparu à plusieurs. Et Paul disait que certains d'entre eux étaient même vivants du temps de Paul. Quand il écrivait, certains étaient vivants. Pendant 40 jours, il a apparu de différentes manières à ses disciples. Entre 10 à 12 apparitions sont rapportées. Il y a de la vérité quant au temps et au lieu et les gens. Deux, à des individus, Pierre et Jean, à ses disciples et à tout le groupe, et aux 500 assemblées, ces apparitions avaient différents cadres, au jardin, la chambre haute, sur le chemin d'Emmaüs et aussi en Galilée. Quelques-unes étaient accompagnées d'actes et de paroles de Jésus lui-même. Est-ce des légendes? La théorie qui a été avancée pour expliquer l'inacceptabilité des apparitions, c'est celle de l'hallucination. Mais les récentes découvertes en psychologie permettent de dire qu'il y a des lois qui s'appliquent à ce phénomène. Phénomène de l'hallucination. Les hallucinations arrivent à des gens émotionnellement instables, des groupes, et Paul dit que, comme je le disais, quelques-uns sont encore vivants. Pour avoir des hallucinations, il faut désirer voir la chose ou la personne. Il faut vouloir l'expérience. Comme on dit, une mère qui perd son enfant et qui savait que cet enfant revenait de l'école à 17h30 par jour, eh bien, va s'asseoir et attendre à cette heure-là l'enfant. Cette personne aura une hallucination, mais pas quelqu'un qui n'était pas prêt à
avoir la résurrection. Ce n'est pas tout ce qui est arrivé aux disciples, c'est contre leur volonté. Quand les femmes sont venues apporter la nouvelle, les autres disciples n'ont pas cru. Quand il est apparu aux disciples, ils étaient effrayés. Ils ont cru voir un fantôme, une hallucination. Mais Jésus leur dit, touchez et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os comme moi. Il a mangé du poisson. Finalement, il y a Thomas. Il était absent la première fois. Après le rapport des autres, il a dit, si je ne vois, si je ne touche, je ne puis croire. Non à l'hallucination, Jésus est ressuscité. Il est réellement ressuscité. Ceux qui l'ont vu, eh bien, ils n'ont pas rêvé. Ils ont vu un être réel. Les preuves de sa résurrection. En plus du tombeau vide, il y a d'autres faits qui prouvent que Christ est réellement ressuscité. Des preuves, cause à effet. Il y a d'abord l'existence même de l'Église. L'existence de l'Église. L'Église est partie de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et actuellement, elle est mondiale. Et elle a plusieurs dimensions. Mais son histoire remonte en l'an 32. Ces gens qui ont été appelés chrétiens Antioche ont bouleversé le monde de leur temps. Ils se référaient toujours à la résurrection de Jésus-Christ dans leur prédication et même dans leur style de vie. Ils se référaient à la résurrection de Jésus-Christ. Tant que l'Église sera vivante, tant que l'Église sera présente, eh bien, on va se référer au Christ ressuscité. C'est le Christ ressuscité qui a donné naissance à l'Église. Et comme Christ est vivant, et vivant pour toujours, l'Église sera là jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne la chercher. Ensuite, il y a le jour du Seigneur. Dimanche est le jour retenu par les chrétiens pour adorer Dieu. Son histoire aussi remonte à l'an 32. Et d'ailleurs, même la première fête des chrétiens, c'est le jour du Seigneur. Chaque fois qu'ils se le trouvaient, c'était une fête. Jusqu'à ce que on ajoute la Pâque. Pour que on transforme le sabbat juif, qui est le samedi, et qu'on fasse du dimanche, qui est le premier jour de la semaine, eh bien, une référence historique. Il a fallu un événement historique de grande importance. Et c'était la résurrection du Seigneur qui a fixé une date pour toute l'humanité. Pour toute l'humanité. Jésus est ressuscité. Ce changement est d'autant plus remarquable quand on sait que les premiers chrétiens étaient juifs. Si la résurrection n'est pas la cause de ce bouleversement, quelle est donc la cause? Mais c'est la résurrection. Jésus est ressuscité. Il est réellement ressuscité. Ensuite, il y a le livre chrétien, c'est-à-dire la Bible. Eh bien, ces pages contiennent des témoignages. Trois sont témoins oculaires, Jean, Pierre et Matthieu, qui ont écrit. Ils étaient des témoins oculaires. Paul, dans ses lettres, fait référence à la résurrection de telle manière qu'il est clair pour lui et ses lecteurs que la résurrection était un événement connu et accepté sans question. Ces hommes qui ont aidé à transformer la structure morale de leur société sont-ils des menteurs patentés ou des déséquilibrés mentaux? Non. Ce sont des hommes qui ont dit et qui ont écrit ce qu'ils ont vécu. Les apôtres affirment qu'ils ont été témoins de toutes ces choses. Trois choses pour un témoignage. Pour qu'un témoignage soit valable, les témoins doivent être de première main, ils doivent être nombreux, ils doivent avoir une bonne réputation. Les apôtres remplissaient toutes ces conditions. Les 12 apparitions, on peut en passer. La nature de la résurrection. Quelle est la nature de la résurrection? D'abord, c'était une résurrection véritable. Christ est vraiment mort. Contrairement à ceux qui disent, d'une part, qu'il ne pouvait pas mourir parce qu'il était Dieu, donc il a fait semblant de mourir. Et d'autre part, il y a ceux qui prétendent que Jésus n'était qu'un homme moral et qu'il est mort et enterré et c'est tout. Par exemple, les déistes,
La Bible de Thomas Jefferson dit « Jésus fut mort et enterré ». Il n'y a pas de suite. Parce qu'il ne croit pas au surnaturel. C'est vrai, il est mort. Mais il est mort comme tout homme. Mais il est ressuscité comme un Dieu. Amen. Il est ressuscité parce qu'il est apparu. Et ce n'était pas un convalescent affaibli, mais un puissant vainqueur de la mort qui est apparu aux disciples, qui est apparu aux femmes. Dans Apocalypse 1, 18, il dit, « J'étais mort, mais maintenant je suis vivant. » Deuxièmement, c'était une résurrection corporelle. Plusieurs choses prouvent que Jésus est ressuscité corporellement. Après sa résurrection, il a déclaré avoir de la chair et des os. David dit que la chair du Christ ne verrait pas la corruption. Le tombeau était vide et les bandes étaient pliées. Après être ressuscité, il a mangé avec les disciples. C'est une résurrection corporelle. Et il a retrouvé son corps et c'est ce que nous allons faire. Amen. Nous allons retrouver nos corps pour ceux qui d'entre nous qui vont mourir. Parce que moi, je ne suis pas candidat à la mort. Ceux qui sont morts avant nous, ils vont retrouver ce corps semé, corruptible, mais ressuscité, incorruptible. Troisièmement, c'était une résurrection unique. La veuve de Sarepta, le fils de la Tsunamite, la fille de Jairus, le jeune homme de Naïn, Lazare, Tabitha, etc., sont morts et ils ont été ressuscités, mais ils sont morts à nouveau parce qu'ils n'ont pas reçu le corps de la résurrection. Bien sûr que son corps fut le même physiquement, eh bien, et qu'il réagissait comme tout le monde. Cependant, il y a quand même des éléments de différence. Il passait au travers des portes fermées. Il n'avait besoin ni de nourriture, ni de sommeil. Il est vivant pour toujours. Amen. Il est vivant pour toujours. Et je termine par les conséquences de sa résurrection. Si Christ est réellement ressuscité, quelles sont les conséquences? Autre, l'Église que nous avons évoquée, l'existence de l'Église qui est un fait. Quelles sont les autres conséquences? Premièrement, il y a l'application du salut. Dieu l'a ressuscité, l'a élevé à sa droite pour le donner comme chef suprême à l'Église. Paul dit que, tandis que sa mort nous a réconciliés avec Dieu, sa vie achève notre salut. C'est-à-dire que c'est quand Christ est ressuscité qu'il a brandi au diable le droit de rachat, le droit de propriété sur ta vie, sur ma vie, sur la vie des êtres humains. Il a dit à Satan, c'est fini, tu as fini. Tu n'as plus droit de propriété sur qui que ce soit. Amen. Parce que j'ai validé. J'ai validé dans le séjour des morts l'acte. Enfin, j'ai enlevé l'acte qui condamnait et j'ai validé leur salut. J'ai validé leur appartenance à Dieu. Et maintenant, ils appartiennent à Dieu totalement et pour toujours. Alléluia. Des preuves de sa puissance divine. La norme de puissance dans l'Ancien Testament, c'est celle qui a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. La Pâque servait à rappeler la main puissante de Dieu. Exode chapitre 12. Dans le Nouveau Testament, la norme de puissance, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Amen. C'est la norme de puissance. Elle est plus puissante que celle qui a libéré le peuple de l'esclavage. Parce que nous, non seulement nous avons été libérés, mais nous avons revêtu la nature de Christ et nous sommes devenus cohéritiers et héritiers avec Jésus-Christ. Alléluia. Cette même puissance est à la disposition de tous les chrétiens.
Amen. Cette puissance est à la disposition de tous les chrétiens. C'est pourquoi des hommes, des femmes, et voire même des enfants. Nous avons vu des enfants qui ont prié pour leur mère malade, et Dieu a guéri. Pour leur père malade, et Dieu a guéri. Pour leurs frères et sœurs malades, et Dieu a guéri. Ils ont simplement dit, au nom de Jésus, alléluia, et la puissance du ressuscité a traversé les mains pour atteindre le malade, pour le lever. Parce que sa puissance maintenant est disponible. C'est pourquoi, quand il a dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. En mon nom, ils vont chasser des démons, ils vont guérir des malades. Ce n'est pas seulement pour les pasteurs, mais c'est pour tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu. Cette puissance est disponible. Et la thèse, la divinité de Christ. Paul déclare que Christ a été déclaré fils de Dieu avec puissance par la résurrection d'entre les morts. C'est la résurrection qui donne la preuve que Christ est la deuxième personne de la Trinité. Et que Christ est Dieu. Il est Dieu. Bien que pour un temps, il ait mis à part cette déité ou cette divinité pour prendre un corps humain, pour le besoin de la cause, parce qu'il est devenu homme afin que nous puissions devenir Dieu. Amen. Il est devenu homme afin que nous puissions devenir Dieu. Il est ressuscité pour notre justification. Nous pouvons avoir confiance que Dieu a agréé son sacrifice. Comment saurions-nous si Christ n'était pas ressuscité, comme certains, dans certaines religions, comment saurions-nous que Jésus, que Dieu a agréé l'offrande, parce que tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Et j'ai dit, je viens. Je viens pour être l'offrande. Comment saurions-nous que réellement, Christ, Dieu a accepté l'offrande, Dieu a agréé l'offrande, si Christ n'était pas ressuscité? La résurrection de Christ, eh bien, c'est la preuve de la justification de tout chrétien. Nous sommes justifiés par grâce, non pas par les œuvres, mais par grâce, par sa mort sur la croix du calvaire. Il est notre souverain sacrificateur. Il devient notre avocat auprès du Père. Il devient notre avocat auprès du Père. C'est l'avocat qui n'a jamais perdu un seul dossier. Amen. Tous les avocats que nous avons, tous ceux qui sont reconnus, les avocats qui ont même des causes perdues, Jésus, il est le meilleur des avocats. Il est l'avocat des avocats. Parce que quand tu vas, il prend ton dossier, il te dit, sois tranquille, ta cause est entendue. Ta cause est entendue. Personne ne peut aller contre toi. Et même toute arme forgée contre toi sera sans effet, parce que ta cause est entendue. Dieu est là. Et si Dieu est là, qui peut aller contre toi? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne ne peut aller contre nous, parce que nous avons un avocat. Nous avons un défenseur. Quand on était dans le village, quand vous avez les grands frères avec vous, vous provoquez. Parce que vous savez que si quelqu'un vient contre vous, vous avez les grands frères. Mais quand vous n'avez pas les grands frères, tu n'oses pas insulter en retour, parce que ça peut te coûter cher. Nous avons le grand frère qui est derrière. Amen. Nous avons le grand frère qui est derrière et qui ne s'amuse pas. Pour nous, il a payé le prix. Pour nous, il va prendre toutes les armes de Dieu pour nous défendre. Alléluia. Eh bien, la résurrection de Christ nous assure de nombreuses bénédictions. Sa résurrection est la base de l'assurance du croyant d'avoir à sa disposition toute la puissance dont il a besoin pour vivre et pour avoir. C'est pas pour savoir, pour vivre et pour avoir. Elle nous assure le Saint-Esprit, etc. En conclusion, Jésus est ressuscité car nous sommes témoins de l'impact de sa résurrection sur notre vie. Parce qu'il est vivant, nous aussi, nous avons été rendus à la vie.
Des millions de vies ont été transformées. Il a fait ce qu'il a promis de faire aujourd'hui. Et l'invitation demeure, viens et vois. Christ est ressuscité. L'histoire le dit. Les enfants de Dieu l'expriment. Amen. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Il est vivant. Le tombeau est vide. Tes problèmes ont été transférés. Amen. Le tombeau est vide. Tous tes problèmes ont été résolus. Par la croix, le tombeau est vide. Et maintenant, il t'apparaît. Il vient à toi. Individuellement, il vient à toi. Il se montre à toi. Prépare-toi à le recevoir. Prépare-toi à le voir se manifester dans sa vie. Car nous ne servons pas un Dieu mort, nous servons Jésus-Christ ressuscité, vivant et vivant pour toujours, éternellement vivant. C'est pourquoi aussi nous avons la vie éternelle et nous allons vivre éternellement devant le Père, devant le Fils et devant le Saint-Esprit. Amen. Peace.